premier temps, nous allons essayer d'immobiliser les poissons. Donc ça c'est du sel de cuisine, juste pour les calmer. Là, on va enlever la peau. On va enlever la peau du poisson. Ça, c'est le poisson clars. Parce que c'est le clarias. Le clarias, les gens ne veulent pas voir ça avec la peau qui glisse. Ils n'aiment pas la tête avec les moustaches. Ça leur fait peur, ça leur rappelle le serpent. Et donc, quand on enlève la peau et que ça donne ce produit, c'est un produit qui peut passer mieux. Donc, on l'a appelé poisson clars. Donc, à partir du poisson clars, on va pouvoir lever les filets. Voilà, donc là on a le filet. Donc là on va faire des brochettes. On va juste couper des morceaux. On va les couper. Généralement, quand on fait ça, les gens, quand ils ont des brochettes de poissons, ils nous demandent pas c'est quel poisson. Jamais demandé ça. Donc, on a fait des dégustations dans des foires. C'est parti comme des petits pains. Avec le projet, on a formé quelques femmes du Bénin qui, en général, pour la plupart, sont des restauratrices et aussi donc des pisciculteurs qui élèvent donc ce poisson et qui n'arrivent pas à le vendre. Nous avons quand même réalisé ici, sur place, une formation pour une vingtaine de personnes que nous avons formées ici. Thank you.
lorsque vous prenez le poisson, donc le clarias, lorsqu'on enlève la tête et qu'on enlève la peau, on obtient à peu près 50 à 60% de rendement chair. Et lorsqu'on enlève le filet, on obtient environ 30% de rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ce poisson, si le brut est vendu à 1000 francs, on va vendre le poisson clars, qui est l'étape intermédiaire où on a enlevé la tête, on a enlevé les autres ingrédients. On va le vendre deux fois au moins plus cher. Et quand on prend le filet, le kilo du filet doit coûter trois fois plus cher au moins que le poisson brut. Donc c'est aussi, ça fait partie aussi de quelques difficultés qui sont liées au développement et à la promotion donc de ce produit qui devient en fait un produit de luxe.